de actie vandaag is eigenlijk een gerichte controle tegen het gebruik van stoorzenders die de bakjes van de kilometerheffing zouden kunnen beïnvloeden. En dus zo het GPS-signaal wegdrukken, zodat de vrachtwagen geen tol hoeft te betalen. Le but aujourd'hui, c'est avec une action conjointe avec l'IBPT, qui est le régulateur télécom en Belgique, via PAS, les services régionaux fiscaux et la police fédérale, de faire une action coordonnée nationale, donc pas uniquement ici à Bruxelles, mais également à Liège et également à Courtrai, donc dans les trois régions simultanément. Donc ici, nous nous trouvons dans un véhicule de mesure spécialisé de l'IBPT. Si dans le cas où un brouilleur devrait passer dans un camion, on va immédiatement voir dans cette plage-ci un saut de fréquence. Donc l'analyste va détecter cela, il va identifier le véhicule et il va le suivre via une antenne dirigeable. Et une fois le véhicule identifié, il transmet l'identification aux équipes de la police fédérale qui vont intercepter le véhicule, le mettre sur le côté et les équipes de ViaPass vont donc mettre l'amende pour le non-respect des règles du prélèvement kilométrique et les gens de l'IBPT vont dresser un procès verbal pour la possession et l'utilisation de brouilleurs. Het signaal dat wij willen geven is u moet het systeem correct gebruiken en zoals we vandaag vaststellen eigenlijk gebruikt iedereen het correct, want we hebben niemand gezien, geen detectie gehad, ook geen vrachtwagen langs de kant gezet. En het tweede signaal dat we willen geven is, pas op, loont het sop de kool, want de boetes zijn zo hoog, dat als je tegen de lamp loopt, en geloof me, uiteindelijk loop je tegen de lamp, dan zijn het echt inderdaad serieuze sommen die boven je hoofd hangen, of 5% van je omzetcijfer.